Salut à tous, c'est Vinstrom. On part sur un petit jeu indépendant, comme vous avez pu le voir. Ça s'appelle Bird Story. Pardon. C'est un jeu sorti début novembre 2014. Alors je l'ai pas testé, j'ai juste vu le menu. Bon, on va se lancer. Et je vais tenter de jouer à la manette. Apparemment ça fonctionne. On va voir ce que ça donne une fois le jeu lancé. Ouais, c'est parti. Ok, ça part pas. Ok. Ok, bon, ça paraît bien compliqué pour jouer. On va voir. D'après ce que j'ai vu, y a très peu de dialogue. Ça joue surtout sur la musique. Donc j'essaie de pas trop parler. Enfin, on verra. Et je précise que je ne joue pas là. Ok, donc là c'est moi qui joue. Je sais pas s'il faut faire le même truc que lui. On va voir. Je sais pas s'il faut faire les mêmes mouvements. Ou si c'est pas grave, je ne sais pas. Alors pour ceux qui connaissent aussi, apparemment ce serait le. Ok, je monte dessus. Ah, il y a un oiseau au-dessus de moi. Ce serait le prologue d'un jeu qui s'appelle. To the Moon. Je ne connais pas. Ok. J'attends. Je peux jouer? Ouais. Oh là là. Ah, si j'avance. Je sais pas ce que ça fait. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des morts partout. Quoi. En fait, si j'avance, ça faisait des espèces d'horloges bizarres. Étrange rêve. Ok. Il arrache une feuille, non? Je peux bouger? Non.
Il regarde par la fenêtre. Quelqu'un lui parle. Oh le bâtard! On l'a mis dans le cul. Oh non. Ok. Il fallait que je fasse un truc, je sais même pas en fait. Oh, oh le... Enfin, je sais même pas si je peux interagir ou pas, je regarde. C'est comme un film interactif. Ok, je bouge pas. C'est même pas moi qui joue, mais bon. Je peux bouger? Non. Ok, donc là je peux me déplacer. Si je vais dans le noir, je meurs. Non, il se passe rien. Bon, apparemment je peux pas regarder là-dedans. Est-ce que je peux retourner en classe? Non. Qu'est-ce qu'il y a là, l'autre, la gueulée là? On va dire qu'on peut rien voler. Je peux me taper tous les casiers quand même. Ah, sympa les arbres comme ça là. Ah, c'est peut-être la cour. Hein. Là, on arrive dans la cour, ok. Peut-être pas que je les touche, non, je sais pas. Ah, ils me font peur, c'est con. Attends, faut que j'aille là, apparemment. C'est moi là. Faut que je joue. Ok. Ok, c'était sympa. C'est moi qui bouge. Ok, donc je vois encore là-bas. Je peux récupérer la plante, non? Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour l'instant? Un enfant, rêveur. Qui apparemment ne se sent pas bien à l'école. Apparemment je peux les toucher, ça fait rien. Je sais pas. Mais bouge là, tu te mets tout le temps devant moi là. Un enfant solitaire. Ok. Ça bouge bizarrement des fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait des mouvements tout seul des fois. Ok, y a rien là-haut. Ah ouais, mais des fois il bouge tout seul. On va essayer de rentrer là-dedans. Attends, parce qu'on peut rien. On va pas aller sur l'autoroute, on risque de se faire écraser. Même si apparemment on est dans un rêve. Non, j'aurais peut-être dû le visiter avant. Je vais me balader, attends. Pourquoi c'est devenu sombre comme ça là? Je suis obligé maintenant? J'ai disparu? J'ai disparu là. Je peux plus rien faire. Oh, le truc, il est parti là-bas au fond, quoi. Attends. Bon, bah, apparemment, je suis obligé. On va appeler l'ascenseur. Ah, ouais, effectivement, il est petit. Je vais me faire tabasser ou pas, là? Ouais, il va me défoncer la gueule, non? Ça va. C'est un enfant méfiant. Ok. Et ouais, mais je... Ah, des fois, il fait des mouvements. Des rats. J'ai pas envie de voir les rats, on va essayer d'ouvrir. Non.
Ok, ça c'est une mini-pause apparemment. J'ai pas trop testé les touches. Ok. Ok, ok. Attends, donc on peut pas aller là-bas, donc faut rentrer là-dedans. Nous voilà à la maison. En français, s'il vous plaît. Ok, je vois rien. C'est cool. Fallait peut-être faire un truc pour voir bien le texte. Ok, donc je rejoue. Ah, c'est un peu bizarre là. Il fait vraiment. Je vais faire un petit peu en avant. Et... Ouais, c'est un peu bizarre. Un clic et il fait quelques pas quand même. S'il réagit pas tout de suite. Oh. La manette. Il y a un truc qui bouge là. Ça doit être la chambre de sa mère ou de ses parents, du moins. Son père. Je ne sais pas. Il y a un truc sur le lit. La lumière. Voilà. Aussi faire la maniabilité. Attends. Je vais peut-être allumer. Ok, c'était déjà allumé. Ok. C'est super. Bon, on va aller en bas. Ah. Genre, je devais pas y aller. Ok. Bon, ça va être sa chambre. Qu'est-ce que je repère là? Je repère un réveil, le lit avec une couette à carreaux. Ok, à bois de jeu. On va regarder. Ah, mais attends. Ok, c'est le balcon où on a commencé. Bon, il a faim. Apparemment, je peux retourner, entre guillemets, dans mon corps. Et je sais pas, je vais voir le frigo. Voilà. Avant d'aller voir mon corps dans, sur le balcon. Hein. C'est vrai qu'il y a une pièce là-haut. La salle de bain. En fait, je sais pas ce que je fais en fait, là, je sais pas trop. Hein. Je regarde un vieux cartoon. Il a envie de lire. Attends, on va dans la salle là-bas. La lumière. Et du coup, je sais pas si c'est une importance d'éteindre la lumière ou pas. Bon, il voulait lire. Il voulait lire. Il y a des bouquins dans la chambre de ses parents. Mais il n'y a pas de petite étoile, donc on va sûrement lire dans sa chambre. Je pense que j'irai sur le balcon quand il me le demandera ou quand... Quand je trouverai. Je ne trouverai plus rien à faire. Pardon. Oh merde. Ramasser ta feuille là. Parce que je me fais engueuler parce que j'ai laissé les lumières allumées, la feuille par terre et tout. Ses parents ne sont toujours pas là.
se laisser là pour le premier épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. J'aime beaucoup pour l'instant. Ça va.